Amy Winehouse est morte à l'âge de 27 ans, le 23 juillet 2011. Après la sortie du documentaire Amy en juillet 2015, la chanteuse anglaise sera mise à l'honneur dans un tout nouveau biopic. Et la première photo du biopic a été dévoilée très récemment. Plus de 10 ans après la tragique disparition d'Amy Winehouse, un nouveau biopic va voir le jour. Intitulé Back to Black comme la célèbre chanson de l'artiste, ce biopic mettra en lumière la carrière de l'ex-compagne de Pete Doherty. Après plusieurs mois de suspense, le nom de l'actrice et une première photo du film ont enfin été dévoilés. D'après le tweet publié ce vendredi 13 janvier sur le compte de Studio Canal, c'est en effet Marisa Abela, connue pour ses rôles dans les séries télévisées Cobra et Industry, qui a remporté le rôle tant convoité. Cette publication Twitter a notamment dévoilé la première photo extraite du biopic. Et le moins qu'on puisse dire, si est que la ressemblance entre les deux femmes britanniques est troublante. Un tournage imminent, c'est sur son compte Twitter, que le studio Canal du groupe français Canal Plus a partagé ce vendredi 13 janvier la toute première photo du biopic. Dans cette publication, on peut lire, l'une des plus grandes artistes de la musique, Amy Winehouse, arrive sur grand écran dans le film Back to Black de Sam Taylor Johnson. Le film sera tourné à partir de la semaine prochaine et nous sommes ravis de vous présenter ce premier aperçu de l'étoile montante Marisa Abela dans le rôle d'Amy. Si Marisa Abela est peu connue du grand public, il en est tout autre pour Sam Taylor Johnson. En effet, cette brillante Britannique a réalisé l'adaptation cinématographique de la trilogie 50 nuances de Grey. Les trois volets de 50 nuances de Grey ont remporté un succès planétaire, notamment grâce à son duo d'acteurs phares, Jamie Dornan et Dakota Johnson. En ce qui concerne le tournage du biopic Back to Black, il devrait commencer dès ce lundi 16 janvier à Londres, pour une sortie en salle d'ici 2024.